Salut à tous les amis, c'est Agonama en compagnie de Sutterkan. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve sur White Rim Ridge. Comme vous l'aurez deviné, il y a beaucoup de neige. Ouais. Il fait froid et on est bien habillé. Ouais. Nous sommes sur cette map parce que tout simplement 3DVox Gaming donc, a posté cette map voilà, dans les commentaires quand je vous l'ai demandé à la fin de la vidéo précédente. Et il avait un like, en égalité avec un autre, mais c'était lui qui l'avait envoyé. Malgré que vous n'étiez peut-être pas nombreux, il y en a quelques-uns qui ont proposé quand même. Notamment Maxence de Michely, qui a proposé Water Island à l'arc. On a failli y aller d'ailleurs, etc. Ouais. C'était entre celle-là et l'autre, et puis... oui, on a choisi White Rim Ridge parce que c'était le premier, et puis celui qui avait le plus de likes, même si on avait qu'un. C'était un peu bon. Vous avez certains à avoir proposé, donc voilà, c'était très sympa. Et donc n'oubliez pas dans le commentaire de cette vidéo pour la prochaine. C'est très très important, vous pouvez de le faire dès maintenant, sinon vous éviterez d'oublier. Ouais. Et donc on est parti pour Sutter, on va essayer de se faire un petit tour polaire, c'est ça? Bah écoute, j'ai déposé une tente ici, je sais pas s'il y en aura, mais comme j'ai jamais été visiter la pointe là, oui. Sur la carte, et ben on va aller voir. Alors on ne sait pas du tout si on y a le droit. Je sais pas s'il est ouvert l'ours, mais je crois que... Au pire, oui. On va tirer dessus, il sera ouvert. Hein. Bon, on pourra pas tirer dessus, hein. Ce sera ça, je crois. Oh, il y a toujours moyen de s'arranger. Bon, je sais pas du tout s'il y a des animaux sur la pointe là-bas. Mais... Par contre, j'aurais peut-être dû prendre du coup, si on peut pas tirer dessus, prendre un plus gros que revolver. Pour taquiner un peu, puis qu'il me charge. Quoi. Mais apparemment, il charge facilement. Hein. Ouais ouais, si t'arrives à t'approcher suffisamment, ouais. Bah, si y a que ça, mais moi une fois... J'enlève la lunette et puis voilà. Hein. Oui bah oui, de toute façon c'est ce qu'il faudra peut-être faire. Mais... Bon, si on en... Déjà si on en voit, on sera bien. Putain, on ira ailleurs, un endroit où... Excuse-moi, je te coupe. Un peu plus sûr d'en voir. Les traces dans la neige sont superbes. Oui, ça fait des petites... Alors elles durent pas tout le temps, mais ça fait des belles petites traces. Ça dure pas une éternelle, moi je comprends. Un petit détail qui fait plaisir. Ouais. Alors faut dire que je... Donc quand vous allez changer un petit peu de config, pas qu'un peu mon neveu d'ailleurs. Et ça a amélioré donc mes FPS, et surtout sur des maps comme ça que je pouvais pas tourner avant. Là je découvre cette map parce que j'ai jamais joué depuis que j'ai changé. Qu'on avait fait l'intro avec Naki et tous les autres là. Oh, putain, vous avez vu, rappelez-vous, alors c'est la même vidéo. La vidéo épique, si vous l'avez pas vue celle-là, faut aller voir parce que c'est un sacré bordel. Elle était magnifique, elle est hyper drôle, et limite à se regarder des yeux fermés. C'est con à dire, mais c'est ça. C'est clair. Et non, il y a des phrases cultes là-dedans. Il y a des sites qui sont créés après cette vidéo. Quand on se retrouve un peu tous là. Oh, c'est quoi ce bruit? Tous en même temps, dans le genre de truc, ça part vite. C'est un renard arctique, ça fait ce bruit là? Ouais. Ça fait ça. Ah bah. Les gamins, c'était coincé de l'orteil dans une porte. Ça parle vécu. Tu veux rester ici, puis j'appelle, on se procure ça. Ouais, je. Ça sent que il est derrière le rocher. Il est derrière le rocher, ça. J'ai que ça pour le tirer, que l'arc. Ouais bah, je vais montrer ton skill. Oui bien sûr. Tu... voilà, 33 mètres ça va? Ouais ouais. 30 mètres, allez. Non, c'est... le vent est pas terrible, hein, pas du tout. Hein. Ouais, on verra. Je vais peut-être plutôt me mettre sur la colline qui est là. On proche quand même, hein. C'est bien, on verra bien. Oui, on verra bien. Tout le temps qu'on se déplace, il va être arrivé, c'est ça. Alors l'objectif de cette mission, on va essayer de se faire un ours, promet rien. Ouais. Si on voit pas, on va pas rester une éternelle non plus. J'aime bien cette espèce que ce soit une éternelle. Pas pour l'éternité quoi. Ouais. C'est, ça vient du latin ça. Je crois bien. Ça y ressemble. J'ai jamais vu de radar arctique, ce sera mon premier d'ailleurs. Ah bah voilà. Bah, ça va être des dépucelages du soir. T'as pas fait d'ours du coup non plus. Non plus. Peut-être on met un autre endroit où je suis un peu plus sûr d'en voir. Par contre, j'ai déjà fait du certificat. Enfin bref. Tis quoi? Non, je sais plus. Du cerf des neiges. Non, du cerf des neiges. Esquimaux, c'est. Le cerf esquimaux. Ah, pas mal. Un petit cerf esquimaux. Est-ce qu'il va venir ce renard? Même plus par où il arrive. Il est vraiment blanc? Ah, il est vraiment blanc. Plus blanc que blanc. Mmh. On avait avec Homo. Et il y a du rare. Putain, Homo, la lessive qui existe plus depuis 15 ans, quoi.
Tiens, il est en face là, tu vois. Ah, et il y a un rare. Ah oui, en effet. Il y a un rare qui est bleuté. Il est plus blanc que blanc. Hein. Ah, on dirait une boule de neige. Un peu un caniche au, hein, on dirait un peu un caniche auquel t'as rasé les pattes, tu vois. C'est ça, ouais. Moi, je dirais plutôt que putain, le machin il roule, on voit plus quoi, une boule de neige. Et donc, faut qu'il soit bleu, c'est ça? Ah, dans l'idéal, ouais. Mais j'en ai jamais vu, moi j'ai pas chassé énormément non plus. C'est quoi, c'est renard mal isolé ça, ça en hypothermie? Renard bleu ou gris? Ils ont loupé l'isolation, il est en train de froidir. Mais... La peinture blanche n'a pas bien marché. Ils ont foiré sur la teinture. Et mauvais le passage au teinturier. Tu me diras la distance s'il te plaît. Bah, il va... Quand il s'arrêtera, il sera à 30 mètres, mais je te dirai, ouais. Une femelle. Ouais, j'ai vu ça. Je peux pas. Voilà. Ok. 32. C'est beau. C'est joli, hein. 30. Moins de 7, pourquoi ils n'arrêtent pas? Bah, il va descendre. Attends, il va faire un petit tour sur lui-même. Oui. Tu le vois? 30 mètres. On dirait un piaf. 23. 10-20. 23 mètres. Ouais, 10. Parfait. Très bien. Alors, plus l'arc que je reconfirme. Hein. Cet arc c'est un peu spécial quand même. Ça fait du. Je crois que c'est du 20. Non, 10, 20. Non, c'est 10, 10, 20, 30, 10, 40, 60. 30, 40, 60. Alors que les autres commencent à 20. Ouais. À chaque fois, j'ai été obligé de me ressouvenir. Enfin, pour le moment encore. 23 mètres 9 pour en gauche. Faire l'effort de chercher. Alors attends, c'est combien le premier point? Ça met du temps à calculer. Hein. Bon, de toute façon, je ferai pas de trophy. Oh, le premier, allez. First Blood. Ouais, c'est ça, c'était Arctic Fox. Ouais. Je voulais faire une photo. Mais. Et quand je vois la gueule du truc. Ouais, faut le temps. Ils ont fait un effort sur les poils, hein, comme sur les bisons. Tu verras la vidéo ce que j'ai fait. Je l'avais dans ma caméra, je le soulève, je fais. Ouais, non, je le balance. Gros machin. Suivant. Drop the Fox, quoi. C'est ça, non, mais il est beau à regarder de loin. De loin. Jean-Michel à peu près, c'est Jean-Michel de loin. Alain de loin. C'est comme Alain de, voilà. Alain de long et Alain de loin. Alain de loin. Ingrid. Pareil, c'est... Blague d'il y a 15 jours. Ah oui, mais bon, c'est des cultes. Hein. Ah oui. On va grimper là-haut, hein, c'est une meilleure vue. What I see. What I see do you see? Rien. Il y a une trace. C'est une trace d'ours. Oh oui, une belle trace d'ours là. Putain, les piles papates dans la terre, dans l'herbe. Dans le... Merde. La neige peut-être. Par terre. Hein? T'es où toi? Ah oui, t'es là. Alors attends, c'est... Ah oui, trace d'ours. Bien. Alors il est loin, mais on s'en fout. Ah par contre, il est de là où on vient. Comment tu sais qu'il est loin? Ah bah parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, à 10 mètres, c'est loin ou pas? Baisse-toi. Ah bon? Ok. Bon, il était pas si loin que ça, finalement. Ah oh non, pas du tout. Hein. Le temps que je le vois, il s'est barré jusqu'en là, non? Sur l'hôpital. Ah non, mais... C'est certain. Barré, plus sûr, hein. Barré par où? Bah, c'est ce que j'en recherchais. Parce que je l'ai vu. Je me suis baissé. Je t'ai regardé. Et tu me vois? Tu me vois plus. Attends, c'est chiant que je vais me faire charger salement, là. Ouais, ou alors il était se baigner. Tiens, j'ai une grosse trace là juste en bas. Ah, c'était lui, hein. Ok, on a un zoom. Ah oui, c'est barré, c'est bon. Oh, ah. On s'en prend rien, c'est super. Ouais, devant. Ah oui, ah non, mais Bernard, sur cette pointe au final. Il était très très près. Hein. Et okay, à mon avis, il était parti en fuite parce que j'ai l'air d'avoir une grosse trace.
et un gros caca. De l'errance toujours. C'était un peu froid là, il y a une merde un peu chaude là. Ça fume, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Là j'ai encore des papettes d'ours devant. Putain, je les vois dans la neige, même avant de voir les... Non, il a continué, donc il a avancé. Alors je sais pas s'il est parti en course, ou s'il est parti à pied, ah, en marchant, mais... Non, non, il a pris sa bagnole. Il a pris sa moto de neige, c'est pareil. Hein. Putain. Toujours en errance, non, il est très très près. Hein. Par contre, celle-là, elle a beaucoup plus espacé, donc je pense qu'il est parti en fuite, là. Ah, ouais, c'est ça, il est parti en fuite. Je vois qu'il était très très près. Bon, je me relève un peu, hein, quand même. Attends, celui-là il est en errance. Il nous troll. Et là il est reparti en fuite. C'est ça. C'est ça. Il a fait la petite pause de... Attends, pourquoi je courais? Ah oui, c'est vrai. Attends, j'y vais. Pourquoi tu cours? Deux secondes de mémoire. Alors attends, pourquoi j'étais là moi en fait? C'est quoi ce bruit? Ah, il a remonté. Oh le bordel, les traces, il y en a partout. Donc là il est en fuite par là. Il a pris le temps de chier. Ah, non, ça tourne en rond comme un ours quoi. Non, là c'est de l'errance que t'as toi. Moi c'est de la fuite. Bon. Ah, mais il a chié deux fois de suite, tu as vraiment fait peur quoi. Regarde, il y a deux merdes de suite là. Ah bah tu me vois pas, t'es trop loin. Ah, j'ai vu, ouais. C'est chié dessus quand il t'a vu en fait. C'est par là. Alors j'ai des traces de... Non, moi c'est des traces d'errance, donc ça doit plus être là. Moi c'est toujours de la fuite hein, que je suis. Ouais, je te suis. C'est marrant parce que les traces je les vois avant de d'avoir l'orbe en fait. Eh bah oui. Ça c'est génial. Limite tu pourrais jouer les sans Undermate là. Ouais. Sur ce map c'est largement faisable. Un peu galère mais. Ouais. T'as fait ça? Décès, chef. Ah merde, t'es mort? Non, j'ai serré les fesses. Du coup j'ai plus la trace, parce que je suis en contrebas. Tu vas réussir à remonter? Ouais, mais j'essaie de remonter un peu plus les montes. Ah ici, j'ai vu un dos blanc. Oh putain, je le vois, il court plus. Je tire ou pas? Vas-y. Moi je le vois pas. Je suis obligé de faire un headshot. Pas cool. Ah non, je peux peut-être avoir le... Non, c'est le dos. C'est un mal. Attends, avant de t'emballer, essaye de viser bien. Plutôt vise bien. Et... Avant de t'emballer à tirer. Là, j'ai toujours pas son dos. Alors attends, je me suis remonté encore un peu plus. Il bouge. Putain, j'aurais pu tirer. Trop d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Tu le vois? Non. Il est au bord de l'eau? Non, il est vraiment là derrière la butte. Juste là. T'as mis un point? Non, je sais pas une fois si j'ai les fusils en main. Juste là. T'as le temps de mettre un point. À 50 mètres. Ah oh, putain, oui, d'accord. Tu vois juste le bout de dos blanc là. Tiens, il attends, je vais arriver au-dessus de lui là. Ouais. Arrête-toi là, s'il te plaît. Je vois rien. Il est juste derrière la butte là. Faut la grimper là doucement, voilà. Là tu devrais voir. Il est juste derrière le sapin là-dessus. Ah d'accord. Ah bah on monte à gauche. On se fait bouffer le cul. Ça crie les ours? Ça quoi? Ça crie. Je crois pas, non. Non. Là, je m'ai entendu. Serrez les fesses, serrez les... Il est en bas, il est en contrôle, il est en bas. J'ai ma visu là. Vas-y. J'ai son cul. Si tu peux venir à côté de moi discrètement. Ah ouais, c'est, je vois le dos. Pas le fion. Descends pas dans l'eau, voilà. Oh, il y a un truc là-bas au fond. Mais non! Ah
Et on part avec ce calibre. Je fais spray direct à côté. 45-70, le pauvre renard, il va pas rester grand chose. Donc là, il nous... alors je sais pas si on avait le droit de tirer dessus, s'il s'était mis en mode charge en fait. Ah si, 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 si. Ah oui, non, je pense qu'on avait le droit. Oh putain, le trou. T'as vu où il y avait le trou? C'est sale. T'as vu le trou ou pas? Attends, j'arrive. Ah, je le vois pas le trou. Et tu vois la tête? Oui. Tu le mets juste derrière la nuque. Juste sur la colonne derrière la nuque. Tu sais, j'ai voulu faire un effort avec les poils, alors effectivement c'est plus sympa que sur les animaux, mais c'est quand même vachement aligné quoi, comme les herbes dans la pelouse. Ah, putain, je l'ai broyé. Omoplate, colonne vertébrale 1, poumon gauche, intestin foie. La balle est rentrée par au-dessus et... Ok, à tout broyé. Donc là j'ai pris une photo par contre. 580 kg, c'est beau ça? J'ai aucune idée de ce que vaut les scores de... Bon tant pis, on va prendre une photo parce que là pour le coup... Là je veux bien faire une photo de Coca-Cola. Là. C'est double... Double premier animal dans la même partie. Ouais, ah oui, bien sûr. Si jamais tu le lâches... Avec la pente, tu le lâches... De la mauvaise manière, il va descendre. Tiens. Tu feras une ellipse à l'occasion. Non mais ça va aller vite. Ça a l'air, il est sur le dos. Ah, la position est bonne là. Ah dommage. La position était pas le cas, ça. Il était sur le dos avec les quatre pattes en l'air, c'est marrant. Mais je le vois peut-être pas pour toi mais... Putain, je te raconte pas la couette avec ça que tu te fais. Tu m'étonnes. Faut que t'enlever la peau. Ça... T'es habillé pour l'hiver, là, on peut dire. Oh putain. Oh putain, je jongle avec. Boulum, 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 boulum. Allez, on va lever la tête. Ah, c'est pas mal, là. Parce que je trouve que tu peux bouger. Chut, je sais pas. Alors, l'ours, c'est un truc qu'il faut que je bouge en dernier. Au limite, c'est que je le mette sur ma gueule. Pas avoir froid. Ouais. On fait gros câlin. T'as pas sorti ton arme de toute façon, donc elle recommence. Oh, c'est joli. Alors, sors pas ton arme. Parce que là, je sais pas comment je peux faire. Mais il est bien là, il est super bien là. Il faut pas que je le bouge. Faut que je me place moins avant en fait. Je bouge pas. Ouais. Sors, oui, pas mal, je crois. Tiens, tu viens à côté de moi. Bon, moi je peux me placer après, hein. Vas-y. Attends, j'essaie de faire une position sympa. C'est bien là? Ah, c'est bien, c'est toi qui vois. Ouais, il est derrière toi quoi. Ouais, non, c'est pas mal. Si, c'est pas mal là. Moi je vais me mettre derrière lui. Ouais. Genre comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Accepté, ok, voilà. Donc, le score je l'ai pas eu. Ah ouais. Ah, y a eu bug. La merde. Et puis j'ai aucun. Comme si j'avais prélevé aucun animal pardon. Ah si, repéré mais pas prélevé. Donc c'est parti, ouais. Maintenant c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir les scores en fait. Ouais, ça va peut-être arriver, mais ça rame. Non mais sinon on ira voir sur ce TH. Hein. Ouais. Après je sais pas, j'avais le poids donc est-ce qu'on peut se faire une estimation je pense. Ouais. Pour se voler en errance, par contre un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a bien du. Il y a bien de l'ours sur cette pointe là. Ouais, c'est pas trop mal, ouais, j'avoue. Intéressant. Donc on donne le coin ou pas? Je vais peut-être déjà. Bien sûr. On est au nord. La map voudrait bien changer, voilà. Sur la presqu'île au nord, voilà. Au-dessus du lac, ouais. Enfin du... Oui, du lac. Un peu plus chien lac d'ailleurs, mais bon. Voilà.
Eh bien écoutez, un cerf arctique hein, dans ce polaire, on aurait plus le cerf tigre, un élan, puis un bison. Un renard arctique, un renard arctique hein, dans ce polaire. J'ai dit quoi? Un cerf arctique. Ah, c'est quoi dans la neige là? Devant, c'est de l'arbre, un bout de bois. Ah ouais. Putain, vache. Ça ressort sur la neige, c'est génial. Du lapin. Bah le cerf Sitka là on pourra en trouver. Oui il y a du lapin. Ouais. Je sais pas s'il y en a à cet endroit là. C'est en taillé ou en... Non c'est comme les lapins d'Amérique. Bien vrai. Lapin coton des rabbits. C'est ça. Oh excusez-moi. Bah bien. Excusez-moi. Oh puis merde c'est naturel là. Et c'est déjà la fin. Ah, une caisse. On se met bien. Après ça, on sera posé. Voilà. On va gazer. Ouais. Oui. Oui, oui, je suis là. Oui. Il, y une micro... Il y a eu une micro-coupure hein, pour les gens. Ouais, j'ai entendu un renard. Ouais. Les gens, non, ils, ont... ils y verront presque pas. Hein, parce que... Je sais pas annoncer, hein, c'est la continuité du truc. Voilà. Ah, maintenant que je l'ai dit, ils le savent. Ils diraient pas vu, sinon. J'allais le dire. Les amis, on a aussi une petite truc à vous annoncer. Pour l'instant, on va rester vague, parce que ça reste en état de projet. On a découvert un nouveau truc, un nouveau logiciel, qui ouvrirait des possibilités. On pourrait étudier ça, hein, c'est dur. Je sais pas de quoi tu parles, finalement. Tu vois pas de quoi je parle? Du petit logiciel qu'on a découvert, hein, qui améliore notre confort auditif. Ah voilà. Ouais, ouais. Avec ça, il y aurait moyen de faire des trucs intéressants, comme des chasses organisées, dont que on pourrait organiser ça. C'est encore en état de projet, on va voir comment que ça aboutit ou pas. Et donc on annonce voilà qu'il y aura peut-être du intérêt à se faire connaître quoi dans les commentaires par exemple parce que oui on pourrait avoir des chasses en multi combien 4 5 ouais peut-être 8 personnes on pourrait essayer de faire tourner on verra bien avec les abonnés ouais. Alors quelques petites conditions on en reparlera quand ça sera abouti mais voilà c'était pour tenir l'info. Bon après c'est pas le logiciel c'est pas révolutionnaire. C'est pas secret, quoi. Oui non. C'est pas secret mais bon c'est pour qu'on peaufine, qu'on fasse des tests peut-être. Qu'on apprenne peut-être un peu mieux le logiciel aussi. Oui, ça se fera mais. Putain t'es con parce que moche. Comment ça, c'est le même que toi. Mais c'est pour ça m'inquiète. T'as vu la taille des crampons? Ah bah j'ai de la neige ici hein. Footballeur maintenant qu'on va devenir. Allez, un renard bleu puis on clôt la vidéo. Un rare de plus. Spider-Man qui est connecté. Un dans ce blanc mélanique. Il y a des ours. Je sais pas s'il y a des rares. Ouais, voilà. Justement. Je sais pas du tout. C'est marrant un ours blanc albinos. Ouais, évident, repérer juste avec les yeux bleus, tu sais. Ouais, rouge. Rouge, pardon. C'est ce que je voulais dire. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souris ici. Il n'y a pas de souris ici. Il y a censé avoir un renard qui devrait arriver. Alors tiens, tu me parles de souris. Il arrive justement, tu vois. J'étais en train de... Je pensais à ça. Comment ça se fait qu'on arrive à avoir plein de souris blanches? Et qu'elles sont en fait des souris albinos, c'est ça hein? C'est ça, oui. Comment ça se fait qu'on en arrive à avoir des centaines, des milliers? Parce qu'on sait comment les faire par nous, en produisant des bonnes souris blanches qui vont bien. D'accord. C'est plus un rare, là pour le coup c'est provoqué génétiquement. Quoi. D'accord, parce que si on arrive à trouver, mettons, dans la nature on trouverait deux vaches albinos qu'on ferait reproduire, on aurait des vaches blanches. Quoi. Albinos. Ah, je suis pas sûr, non. Non. Mais tu sais, les rats, c'est très très génétiquement modifié. Hein. Oui. Les rats, les souris. Hein. Pour la science, on va dire, pour la médecine. Tu le vois encore le truc?
Ok, on voit plus. Si Je je vais venir à retrouve. quelle distance il est. 27 mètres. Mais attends, mais il est où? En face, à midi. Juste à côté des grosses buttes de neige au pied de l'arbre. D'accord, je me demandais si c'était 27 mètres. 27 mètres. Moi j'ai pas de chance avec les renards, de toute façon. Il m'aime pas. Ça, je tire jamais les renards à l'arc. T'appelles ça pas de chance? On appelle ça pas de talent. Encore. Ah ouais. Ah oh, ça troll, pardon. Ah ça clash. T'appelles ça de enfin, la je m'en chance sors en bien, mode... il est mort 5 mètres après, donc ouais. Ça va. T'appelles ça de la chance quand tu as battu un animal toi. Ok. Je n'ai pas du talent. T'as pas vraiment une définition de chance. Pour moi la chance c'est le fait que tu arrives à faire un albinos ou un rare toutes les semaines. Pour moi ça c'est de la chance. Non ça c'est du talent. Ah ouais, le talent payé, ouais. Tu sous-lois quel dev d'ailleurs, tu me feras son nom, hein. Tu feras son Skype que je puisse m'intéresser à ça. Tu comptes la sortir quand ta vidéo là, tu sais ou pas? À combien de temps par rapport à aujourd'hui là? Je ne sais pas pourquoi. Bah, je voulais spoiler ou quoi. Un truc. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux spoiler. Non mais pas qui te concerne pas. C'est juste que tu me dises quand tu penses à la sortir, c'est tout. Assez rapidement. Dans, genre je fais le montage ce soir et peut-être que demain on sera en ligne, oui. D'accord. Tu parlais de rare? Oui. Ah oui, tu parlais de rare, oui, d'accord, mais... oui, je vois où je veux en venir. Alors attention, alerte spoiler. Alerte. Mais il ne serait pas passé à côté, non, non par il, tu parles de ça, mais il est sorti aujourd'hui, hein. J'ai vu une nouvelle quête. Non, non, il a vu la première partie. D'accord, il monte la deuxième partie de la quête du rare. Il y a une barre, c'était marqué partie 1 et partie 2. D'accord. Donc dans la partie 1, je l'ai pas regardé. Ceux, ça. Voilà, ceux qui auront compris que dans la partie 2. Voilà. Mais non, mais faut pas le dire. Non mais. Attends. On va faire un petit spoiler sur les rares, machin, on parle de rares depuis 20 minutes, mais. Faudrait pas un peu les gens. On est passé à côté. Hein. Pas un peu voilà, c'était le spoiler. Bah voilà. Pour mon bouche. Là, y a un, mais on sait pas quoi comme rare. Non, on sait pas. Après, et c'est l'entremarque. C'est l'entremarque. Moi je sais pas quoi comme rare, je sais pas comment il va être, quel niveau de rareté, si on peut dire. C'est pas. On verra bien. La suite, au prochain épisode. Non, mais, la vidéo sera montée ce soir sans doute. Et mise en ligne dans la journée de demain. Et puis on verra bien. J'espère qu'il va pas nous en vouloir. Penses-tu, ça serait vraiment pas regarder les vidéos, mais là, là, pour les... C'est bien, j'ai envie de te dire exactement, quoi. Les gens, maintenant, les abonnés, mes abonnés, qui sont abonnés à sa chaîne aussi, ils vont aller, ouais, moi, je suis dans la partie de vie, il va se passer ça. Regarde ton thermite. Oui. Il y a un ours polaire qui vient de gueuler devant. Ah ouais? Mais j'ai pas. Loin. Je savais pas que j'avais... Tiens, je te mets un point un poil trop loin. Je savais même pas qu'il gueulait, en fait, qu'on pouvait les entendre sur le thermite. Ben, comme quoi, tu vois, la question que je te posais tout à l'heure. Tout à fait. Mais je l'avais jamais entendu, donc je disais non, mais j'ai entendu gueuler et j'ai eu l'impression qu'il était en train de nous charger tellement c'était proche. C'est un même genre de cri si tu veux, mais en fait il est super loin. Ah oui. Et il y a moyen de faire des battues sur cette pointe là. Hein. Ah, battues oui, à l'ours. Carrément. Et au renard. Toi t'as eu le score, t'as je suis deg. Moi j'ai eu le score, ouais. Et quoi tu le fais l'ours? Ouais. Oh je veux bien, ouais. On en aura fait un. On en aura fait un chacun. Voilà. Bon, tu me dis stop parce que... Bah, je t'ai mis un point. Oui, j'ai mis un point. Mais tu m'as dit qu'il était un peu trop... Oh, stop! Quoi? Je vois. Oh, mais tu... Ah bon? Vachement plus proche que le truc sur une tormette. 70 mètres. Ah oui, bonjour. Une femelle. On l'a fait à l'arc. Tu es chaud? T'as du temps pour courir après un peu? Bah si c'est toi qui le tire, oui. T'as quelle distance de moi? Ouais, ouais. À 11 mètres de moi. Rapproche-toi un peu, stop, doucement. Histoire de me donner une bonne distance. Ouais. Tu veux le tenter à 60 mètres ou quoi? Il est à combien? Il est à 60... Il est à 50 mètres, bouge pas. Je te donne une précision une fois qu'il est stoppé, ok? Ouais. Si, on peut encore le tirer à ce moment-là. Combien là? 40 mètres. Oh, okay. Carabine. Je tire ou pas?
On va la récupérer au bout. On peut pas se sauver de toute façon. Ouais. Ah, il nous a vu. Ou il nous a senti, je sais pas. J'étais parfumé. Est-ce que je suis parfumé, moi? Ah, moi, je suis pas parfumé, moi. Donc, ouais. Et voilà, voilà. De toute façon, il reste plus que 6 minutes. Hein. C'est-à-dire que la vidéo va faire au moins 30 minutes. Bon, ça... Sans coupure, en plus. Parce que là, c'était... Ouais, tu pourras peut-être virer un bout du trophy shot de... Bon, il est pas super long. On va voir à ça, ouais. Après, je pourrais peut-être la rendre un peu plus nerveuse, hein. Ouais. Après, là, de toute façon, on peut pas se barrer, hein. Donc... Non, mais je te propose d'aller à droite et je vais à gauche, mon gars. Tu vois qu'il fasse un demi-tour, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que j'ai la permission de le blesser? Non, c'est interdit. Si, je m'en fous même de le tuer d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai carrément le droit de le tuer. Ouais. Ce serait plus simple si le blessé, j'étais pas sûr d'y arriver. Le mec. Ah le mec, moi je one-shot en tiré dans les pattes, je sais pas faire. Chuck Norris. Bah, quand je touche, c'est pour tuer. A priori, t'auras pas l'occasion. C'était encore en mystique, je l'ai dessiné. J'en vois un au loin. Vas-y. Que j'ai tué, mais méfie-toi parce que c'est peut-être pas celui qu'on a vu avant. C'est ce que je me méfie. Parce que vous pourrez juger. Est-ce que moi je te propose, si tu mets un point dessus, on va le chercher après, on pousse un peu vers le fondier. Là, j'ai une trace d'ours là, putain. Putain, on se lève. On se croirait dans The Long Dark. Ah oui, d'ailleurs, je vois un ours qui est mort là-bas au fond. Tu le tiens? J'ai mis un point sur le... Ça, je pense. Oui. Ça, c'est lui. Il y a des chances que ça se soit en bas juste. Ouais, oui, il y a des chances. Même s'il me paraît loin. Après, ça court quand même, alors, même si c'est pas blessé. Ouais. Reste sur le... Ouais, voilà, reste là-bas. Moi, je suis plutôt contre ce côté-là. Des fois, il y en a dans le creux que tu vois pas ou que je vois pas. Aussi la banquise à ma gauche parce qu'apparemment sur la banquise. Ouais, ils sont souvent au bord de... Ouais, c'est vrai que le vent, j'avais pas encore entendu moi, mais là, c'est bien levé. Ouais. Ça se trouve, j'espère que le son va être toujours bien, malgré fort vent. Oh, les gars n'avaient pas dit ça pourtant. Attention, vent violent, vent du nord. Voilà. Bah écoute, moi je vois pas d'ours. T'es en mode course? Ouais, moi non plus. J'ai pressé un peu le pas, ouais, parce que... Ouais, t'as raison. Ça, écoute, je vais aller on va aller récupérer l'autre. Ouais. Tu vas là? J'ai arrêté. Je te laisse te rapprocher de toi. Ouais, je suis pas loin normalement. Ouais, je vois ça, t'as 60 mètres. Attends, je vais t'arriver derrière. Non. De toute façon, on va pousser au fond de l'île après. Je récupère. Ouais, c'est vrai que là, à 3 ou 4 en ligne, là, tu pousses en marche normale. Ouais, ou... un peu comme sur l'île de... Ouais, mais là, c'est bien, enfin, c'est bien, tu peux démarrer une tente et puis pousser encore sur l'île. Encore plus facile. Ouais. Allez, poumon gauche, cœur, poumon droit. Ça se calme. Ouais. Alors par contre, on a pas vu de cerf, ni de trace de cerf, que je pense pas qu'il y en ait. Alors par contre, de l'ours et du renard. Bon coin à ours et un renard. Bah apparemment ouais, pas mal. Après, attention, c'est pas parce que vous avez venir ici que vous allez en trouver. C'est que sur cette partie on a eu de la chance d'en trouver quand même 3. Ça veut dire qu'il y en a quoi. 2, ouais voilà, après, il y en a 2. Plus ou moins, quoi. Et du renard il y en avait 2, donc pas non plus cassé, on va pas mentir. Je me suis complètement barré. Ah bah. Tu veux j'arrive? Non, je m'en fous. Okay. J'ai un respect de ce mec, moi ça m'énerve. T'emmerde pas. Prochain coup, je dirais, oh, tu veux venir sur la photo? Ouais, ça refoutra. Voilà, c'est bon. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Hmm. Les compteurs sont remis à 0. Ouais.
Ouais, pour une petite sortie ours, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, en faire deux. Alors apparemment, donc, on a le droit de tirer dessus, hein, parce qu'il était en fuite, t'as Ah réussi à bah le alors, tirer. on n'a pas été emmerdé. Ouais. C'est bien, c'est très très bien. Et mais oui, mais si... Écoute, je ne vois rien. Non plus. Je vois Ouais. rien et je vois surtout pas de traces, donc je pense que tu peux. Oh, ouais, je vois plus de traces, je vois... C'est quoi, c'est une merde, ça? Et au bout de l'île... Il y a Rien. de l'eau. Petite île là-bas au fond. Je vais quand même regarder le paysage au fond, j'ai jamais vu. Eh, tu crois que ce TH, ils vont nous avoir foutu un truc à aller voir là-bas au fond de l'île? Non, il y aura un point d'intérêt de marque. Il Tu n'y a pas penses? beaucoup d'easter eggs, hein, dans... Il y en a Oui. quelques-uns, mais... Ah bon? T'en as déjà trouvé toi? Non, mais tu peux trouver des bagnoles, des machins, tu vois. Oui, des clins d'œil, oui. Ce genre de truc, ouais, voilà. Tu veux aller au bout? Oui, toujours aller au bout des choses, etc. Toujours aller au fond. C'est là que c'est le mieux. Ouais, c'est ça. Ce que me disait ta... Ok. Ma pote, ouais, attrape-toi. Oh, ta mère, ta copine, hein, insérez la phrase que vous voulez. Hein. C'est ça, ouais. Insérez la fin de phrase que vous souhaitez. Hein. Sur le fond des choses, ouais, c'est ce que me disait ta... Mettez ce que vous voulez au bout, ça marche. Enfin, pas ton chien ou ton chat, ou tout comme ça, parce que là, ça craint, c'est De façon dégueulasse, mais... féminin, en tas d'abord. Ouais, puis l'humain, quoi, c'est possible. Bon, à peu près, ouais. Qui ressemble, quoi. Non, il a un truc avec des pattes puis des bras, tu vois, dans le genre, ça marche. Ah ouais, non, mais ça commence à être exigeant, là. On n'a pas tous la chance de pouvoir... Donc, je confirme. Ouais, c'est ça. Y'a rien. Tu t'es arrêté dans ton élan. Y'a Ouais. rien. Je suis pas encore au fond. On s'arrête tout de suite. Attends, y a encore un bout de terre là-bas. Ah, essaye d'aller à la nage jusqu'à la... Non? Ouais, on va essayer. Adieu. Pourquoi j'ai l'écran qui se givre? Ça fait froid? Ah, pour ceux qui savaient pas, voilà, ça fait comme ça. Reviens, reviens au bord quand même. Ah non. Succomber à une hypothermie. Wow. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie Sutter, hein, pour cette magnifique chasse. Merci. Je vous invite à liker, commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et donner le choix pour la prochaine. Et donner le choix pour la prochaine très 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 importante. Vous gagnez quoi si jamais vous êtes sélectionné? Vous avez le droit d'avoir votre petite dédicace dans la vidéo. C'est des petites coupures de micro, j'ai l'impression des fois. Ah bon? Ouais. Peut-être. Peut-être. Bah, on aura compris. Peut-être pour toi, mais pas pour moi, peut-être. Donc voilà, petite dédicace. En tout cas, je remercie quand même tous ceux qui ont posté un commentaire. Tentez votre chance pour la prochaine. Hein. N'oubliez pas les likes. Plus vous avez de likes, plus vous avez de chances de d'être top. Bah ouais, disons plus si vous likez, c'est là, vous verrez la map que vous avez likée. Enfin celui qui a like, celui qui a mis le nom en premier Oui, likez. pourrait être cité, on va dire quoi. Si par exemple vous choisissez Hirschfelden et qu'il y en a, vous vouliez prendre la map, vous likez le commentaire de Hirschfelden. Et puis limite vous mettez un petit commentaire en dessous si vous voulez, voilà. Ouais. Si vous voulez avoir votre petite dédicace avec, hein, pas de soucis, moi je vous fais rendez-vous. Je fais des prix d'amis, hein. Ça arrange, je fais comme ça. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.